Et on vous parle également de la rentrée littéraire de la maison d'édition sénégalaise Jinsan, connue pour avoir coédité le prix Goncourt 2021. Cette maison d'édition surfe sur cette réussite malgré la crise du secteur du livre sur le continent. Felwyn Sarr, cofondateur de Jinsan, a profité de cette rentrée pour présenter son nouvel ouvrage. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Eliman Daou. Dans ce nouvel ouvrage, le bouddhisme est né à Koloban, un quartier de Dakar. Felwyn Sarr parle de sa vision plus lucide sur l'amour. Les échanges avec le public ont été assez dynamiques et assez philosophiques même lors de la présentation de l'ouvrage dans le cadre de la rentrée littéraire de la maison d'édition dont il est cofondateur, la maison d'édition Jinsan, qui a coédité le prix Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mougar Sarr, qui était justement présent lors de cette rentrée littéraire. Jinsan, une maison d'édition en vogue depuis ce prix Goncourt, malgré les difficultés de l'édition sur le continent. Je vous propose d'écouter l'analyse de Felwyn Sarr. Il y a beaucoup d'éditeurs très passionnés et très courageux qui font le travail au Sénégal, au Mali, dans beaucoup d'espace. Mais je pense qu'on a besoin de structurer notre écosystème. On a besoin de plus d'éditeurs, d'imprimeurs, de critiques littéraires, d'émissions autour de la littérature, d'une meilleure distribution du livre, d'un prix qui est moins cher, d'imprimeurs, etc., etc. Et je pense que ça va se faire, que c'est en train de se faire, et que chaque acteur peut jouer un rôle. Depuis le prix Goncourt remporté en 2021, Jinsan a augmenté son nombre de collections et ambitionne de rester plus que jamais l'une des maisons d'édition qui compte sur le continent.